Eh bien, salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA V, mais en Belgique. Ouais, on est en Belgique, ici à Spa-Francorchamps, le célèbre circuit de Formule 1, pour ma part le préféré. C'est vraiment mon coup de cœur, j'y ai déjà été dans la vraie vie, de très bons souvenirs. Et du coup, on se retrouve sur GTA V avec ce circuit, qui a l'air vraiment très bien reproduit. Donc là, on est dans l'avant-dernière ligne droite, bah c'est la ligne droite avant l'arrivée. On va se faire spawn une voiture. Allez, moi je propose qu'on prenne... On va faire un tour avec ma voiture et après on fera un tour avec la voiture de Léa. Allez, c'est parti. Alors par contre, attendez, parce que je crois que là j'ai mis un peu trop d'accélération. Ah oui, en effet. On va quand même la booster histoire de... On va la mettre à 25. Histoire, voilà, d'avoir un bon, on va dire, moteur, quoi. On va mettre le freinage aussi, on va l'augmenter, sinon ça va pas le faire. Et un peu la tenue de route. Voilà. Allez, avec ces paramètres, ça devrait le faire. Bon, on va chauffer un peu les pneus du coup, et on va faire le tour. Attendez, non. On va quand même modifier la météo. Hop, on va se mettre en clair. Ah ouais, c'est beau. Ouais, je préfère Extra Sony, c'est un peu plus réaliste. Et au niveau de l'heure... Ah ouais, on va se mettre à cette heure-là. Midi, c'est pas mal. Ouais, midi. Après, on modifiera, on essaiera de nuit aussi. Allez, c'est parti. Donc pour les grands fans de Formule 1, moi avant j'en étais un, vous allez sûrement reconnaître ce circuit, c'est quand même le plus mythique, hein. Enfin ouais, franchement tous les fans de Formule 1 pourront dire ça quand même, Spa-Francorchamps c'est pour ma part le préféré, très très beau. Ah ouais, la chicane, j'ai failli me louper, c'est pas évident hein, quand vous avez pas joué à un jeu de F1 depuis longtemps. Alors là, on a la fameuse ligne d'arrivée, magnifique. La grille de départ. Allez, on va faire un vrai départ en Formule 1. On va se placer sur la première place. On part en pole position. Avec la belle voiture Team Thomas là. Elle est magnifique. Allez, c'est parti. Donc il n'y a pas de chrono, mais c'est pas grave. Allez, on démarre. Je vais essayer de le faire à fond comme à l'ancienne sur le jeu. Hop, premier gros virage. Oh, l'année où j'y étais, il y a eu un accident. Je me souviens, Alonso, il a failli y passer. C'était abusé. Alors, là on approche du raidillon. Ah ouais, mais c'est trop bien fait en vrai. Ouh, 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 ouh. Je crois que je vais un peu trop vite là en vrai par rapport à une Formule 1. Ouais, niveau de l'accélération, c'est un peu chaud quand même. Hein. 300, ah ouais. 380, là même. Ah ouais, non, 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 là c'est abusé. Oh, on va freiner un peu à l'avance. Voilà, ah, on est. Ouais, trop rapide. Hein. On n'a pas une Formule 1 là. Elle est beaucoup trop rapide et pas assez manœuvrable, on va dire. On voit là-bas la map de GTA V en fond. C'est vraiment stylé. Ah ouais. Franchement, ça va. C'est... Ce circuit, il est vraiment stylé, quoi. Allez. Oh, c'est chaud. C'est pas pareil avec une Jester par rapport à une Formule 1, par exemple, dans les jeux, etc. Là, c'est beaucoup plus lourd et on a tendance à virer vers l'extérieur. C'est pas du tout pareil. Mais en tout cas, c'est quand même vraiment stylé. Ça se voit ou pas que je le connais le circuit quand même? Non! Ouais, vraiment c'est chaud avec une Jester. Faudrait peut-être que j'essaie d'installer une Formule 1, mais le problème c'est que c'est pareil, les paramètres de la voiture ne seront pas forcément adaptés à une réelle Formule 1. Waouh! Waouh! Ouh! Et là on repart comme tout à l'heure. Donc on va essayer de finir le tour et puis on se fera spawn la voiture de Léa. Ce sera peut-être un peu différent, je sais pas si ce sera mieux ou pas. Ouf! Oulala! Oulala! C'est mauvais comment je conduis. C'est abusé. Après, je vous montrerai également avec un hélicoptère une vue aérienne. Là, on a les stands. Ah bah, je vous les montrer. Voilà, on a l'entrée des stands qui ont été reproduits. Donc ça, c'est cool. On voit, il y a tous les camions, etc. C'est bien fait. Parce que dans le jeu Formule 1, on peut pas voir tout ça. Bah là, on peut. Et c'est ça qui est cool. Là, on a les stands. Bon, l'intérieur n'est pas texturisé. Malheureusement, ce sera peut-être amélioré. Et bah voilà, là on a les écuries, etc. avec leurs ordinateurs, etc. Vraiment très bien fait. On va aller faire un tour là-bas derrière. Oh my god, ça rappelle des trop bons souvenirs pour ma part. Ici, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est chaud tout ça, on peut pas le voir dans le jeu. Donc là, la map, elle vient du jeu F1 2010. Qui était dispo, bah du coup, que sur PS3, etc. Mais je pense que là, ça vient de la version PC du jeu. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. Bon, après, il n'y a pas plus de détails, mais c'est quand même pas mal, je trouve. Ok, bon, on va retourner sur... Attendez, le camion, il est ouvert, là. Ah ouais, c'est sérieux, là?
attendez, on va rentrer. Ça se trouve, il y a plein de détails que je loupe en fait, mais. Ah ouais, on peut rentrer. Ah ouais, c'est fermé. Merde, je suis coincé. Ok, c'est pas grave. Hop, hop. Allez, on prend la voiture. On va aller sur la ligne d'arrivée et de départ. Comment on fait maintenant? On va passer là. Wow. On va aller là-bas, tout au bout. Et on va remonter avec la voiture de Léa. Allez, on la gare ici. On va chercher la ligne d'arrivée qui est ici. Vu que Léa, elle finit toujours non classée, dédicace à toi, on va la faire démarrer d'ici. Et on va se faire spawn sa voiture. Dites-moi en commentaire si vous préférez ma voiture ou celle de Léa. Regardez un peu celle de Léa. Bon, c'est le même style, hein, on a quasiment le même design. Mais voilà, celle de Léa, elle est un peu différente. Regardez, je vais descendre, je vais vous la montrer. Voilà, Miss Léa. Pensez à vous abonner à sa chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. C'est Miss Léa. Regardez ici, il y a ses réseaux sociaux. Hop, sur Twitter, @elflandiac. Facebook, Léa, la la blabla, voilà. Là, à l'arrière, pareil, on a ses réseaux. Ici, il y a sa petite mascotte. Là, on a le hashtag Team Thomas. Ici, c'est écrit son pseudo. Enfin bref, belle voiture. Très belle voiture. Du coup, on va faire un tour de Spa-Francorchamps avec cette voiture. Allez, c'est parti. On est parti, let's go. On va essayer de mieux conduire que avec ma voiture tout à l'heure parce que c'était vraiment pas stylé. Ouh là là, il y a un mariage. En vrai, ils m'ont entendu sur Spa-Francorchamps, là, ils sont tout chauds. Allez, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été voir un Grand Prix de Formule 1. Pour ma part, ouais, j'en ai vu 3. 2 fois ici à Spa-Francorchamps. Et une fois à Magny-Cours quand ça existait encore en France. Vraiment des bons souvenirs tout ça. Malheureusement là il n'y a personne. Normalement il y a plein de monde dans l'herbe. Ouf. Ouh la sortie. Ouh la sortie là. C'est encore plus catastrophique que tout à l'heure. J'ai pas vu venir le virage. Allez. Même là normalement il y a de la forêt et tout à droite. Et là bah il y a tout qui est rasé. Bah d'ailleurs il n'y a pas un arbre. Alors que là ça se trouve en pleine forêt normalement. C'est pas Francorchamps. Mais bon, le principal c'est que le circuit est présent et ça, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. D'ailleurs, il y a des personnes avec les courses casse-couilles s'est amusé à reproduire les circuits de Formule 1 et il y avait le circuit de Spa-Francorchamps qui avait été bien fait. Alors, on n'avait pas l'extérieur avec l'herbe, les arbres et tout, mais on avait quand même la piste qui était pareille et du coup, bah, ça faisait plaisir de se retrouver dedans, quoi. Allez, wow. Par contre c'est pas pareil qu'une Formule 1 à conduire, hein. C'est un peu compliqué je vous l'avoue. Oh my god. Bon ils vont arrêter de klaxonner là derrière parce que, enfin plutôt dehors. Ils abusent les gens, faut toujours qu'ils se marient comme ça en pleine vidéo. Non je rigole, allez, oh non. Oh wow wow wow, on se calme, voilà. Et la dernière chicane, j'ai l'impression d'avoir été plus rapide avec, avec la voiture de Léa. Alors que j'ai sûrement moins bien conduit. Ça, je sais pas. Ok. Bon, maintenant, on va faire une vue aérienne pour voir un peu les détails qu'il y a tout le long du circuit. Alors, là, on commence avec ces habitations. Donc ça, c'est sûrement les restaurants. J'avais pas été ici, moi, pour ma part. Mais ça doit être les restaurants pour les personnes qui ont vraiment les moyens. Là, on a des tribunes. Pas mal, hein? Franchement. Moi je me souviens, ce virage, je l'ai vu genre de quelque part en hauteur ici. Et j'ai vu l'accident, je sais plus où j'étais. Ouais, plus par ici, un truc comme ça. Et après, bah j'ai bougé, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça. J'ai été fou, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Et j'étais là en haut du raidillon, exactement ici. On voyait trop bien le raidillon. Et bah il y avait ce restaurant là. Bon, en vrai, il est pas vraiment comme ça. Enfin, si, un petit peu la terrasse et tout, mais il y avait ce restaurant. C'était abusé les prix. Tout ça parce que bah c'est le meilleur endroit de la course, quoi, le raidillon. Et là, je me souviens, il y avait un pilote. C'était pas en Formule 1, c'était en GP2. Il avait fait un gros accident. Il s'était pris les murs qu'il y avait ici. Mais bon, ça va, il a rien eu. Voilà pour les petites anecdotes. Et puis après, bah je me suis baladé un peu partout sur le circuit, entre les essais, les qualifs et tout. Et voilà, ça me rappelle des bons souvenirs. Alors qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura un vlog Grand Prix de Formule 1. On sait pas. Mais ouais, je me souviens, hein, tout ça, on l'a fait. Même en moment, ces tribunes, bon, nous, on n'allait pas en tribune, mais par exemple, ici, on pouvait être à pied, on regardait. Pareil, là, dans la forêt, à cet endroit-là, ouais, ici, bah, je me souviens qu'on regardait soit ici, soit en bas, quoi.
On pouvait traverser à travers le bois et ça c'était vraiment cool. Bref, bah du coup on va se laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Moi ça m'a fait plaisir de retrouver comme ça un circuit de Formule 1. Le fait de pouvoir se déplacer comme ça en caméra libre grâce à GTA 5, bah ça c'est cool. Et bah ça pourrait être cool que Rockstar ajoute un jour ou l'autre des circuits comme ça. Pas forcément de la vraie vie, hein, on sait qu'ils feront pas. Mais des petits circuits en dehors de la map, ça peut être sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez, il y aura le lien de téléchargement en description comme d'habitude. Et sur ce, bah, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!